amulette sur le sel. L'unique Xerox. Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie, les gars. Aujourd'hui, les frères, encore une nouvelle vidéo pendant le confinement. Mais là, j'ai de la chance, mes darons sont partis pendant pas longtemps, mon gars. Donc, j'en profite direct pour vous faire cette vidéo sur le nouveau mode de jeu, le Great Guild War. Donc, super grande guerre de guild, en gros. Où j'ai vraiment l'impression que 80% des gens n'ont rien compris à ce mode de jeu. Moi-même, au début, j'avais énormément de mal. On a dû m'expliquer beaucoup de fois en plus. J'avais du mal à comprendre. Mais maintenant, je connais bien tous les trucs et tout, et vu qu'il y a vraiment en fait énormément de personnes qui n'ont rien compris, et en plus du coup ça explique en anglais, donc même ceux qui ont lu et tout, qui ne comprennent pas l'anglais, ils peuvent pas vraiment comprendre. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, qu'est-ce que c'est ce mode de jeu, comment jouer, etc, etc. Alors déjà les gars, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les jours, jusqu'au du coup 5 mai, ce sera la date de fin de l'event, tous les jours à 11h, le mode change de attaque période à défense période. Donc je vais vous expliquer les deux. Là actuellement, tu vois, jusqu'à du coup dans 1h07, on est en attaque période. Ensuite ça va repasser en défense période parce qu'il sera 11h. Du coup, attaque période, on ne peut pas toucher vraiment à la forteresse. On ne peut pas améliorer le level des installations et tout, mais ça, je vais en reparler juste après, vous allez comprendre. Tout ce qu'on peut faire pendant l'attaque période, c'est attaquer tout simplement les autres clans. Donc soit tu fais create squad et du coup tu vas jouer avec les membres de ta guild. Hop là, je retourne en arrière. Soit tu fais solo battle, tu pars en solo. En vrai, ça peut largement être jouable en solo. Hein. C'est vrai, j'ai perdu bien deux fois, je pense, mais c'était vraiment des clans assez balèzes. Tous les autres, j'ai gagné tranquille. Franchement, je pense que vous pouvez y aller en solo, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Du coup, si vous gagnez, vous allez marquer des points ici. Et les points, à quoi ils servent? À se classer. Là, le 838, vous voyez, c'est le classement de mon clan. Et pourquoi est-ce qu'il y a un classement? Ben parce qu'il y a des récompenses, mon gars. Et c'est ça le truc intéressant de cet event, c'est qu'on peut gagner de sacrées récompenses quand même, de sacrées shinobits. Je suis sûr que si tout le monde dans mon clan avait compris les règles dès le début, on serait au moins dans les 351/500. J'en suis sûr. Et on aurait pu choper 180 shinobits. C'est beaucoup quand même, 180 shinobits pour tout le monde dans le clan. Ensuite ici Melody of Defense et Melody of Attack, ça va booster ici la défense et les PV je crois aussi pendant 30 minutes. Et celui-là ça va booster ton attaque pendant 10 minutes. Pourquoi est-ce que celui-là il booste la défense en fait? Parce que également vous avez une forteresse et les autres clans vont vous attaquer bien sûr. Alors je ne crois pas que si on gagne une défense on gagne des points. En vrai ça me paraît logique, ça serait possible qu'on gagne des points. Mais je ne crois pas qu'on gagne des points. Mais en tout cas l'intérêt du coup de gagner une défense, c'est de ne pas donner de points à l'adversaire. Après est-ce qu'on gagne des points? Ça je sais pas, je ne pense pas hein. Franchement je ne pense pas. Bon maintenant les gars, je vais vous parler de la période de défense. C'est celle où il y a le plus de choses à dire et c'est là que vous allez tout comprendre. Malheureusement on est en période d'attaque, du coup je vais m'aider de ça pour vous expliquer. En période de défense, voilà, vous aurez exactement ça là, un fond bleu, forteresse et le truc pacoon à côté. Le truc pacoon en fait il est hyper important, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, pour être dans la forteresse, parce qu'il y en a, ils m'ont dit, ouais, tu peux me mettre dans la forteresse et tout. C'est pas aux adjoints ou aux chefs de clan de décider de ça. En fait, ceux qui sont dans la forteresse, c'est ceux qui ont apporté le plus de points de contribution au clan. Et là, vous voyez les sortes de livres verts que j'ai au-dessus, 1149. En fait, c'est les livres qui vont permettre d'avoir des points de contribution. Ensuite, par rapport au nombre de points de contribution que vous avez, voilà. Là, celui-là, notre premier Raizaki, il a marqué 220 000.56. C'est notre numéro 1. Et du coup, je crois que c'est les 6 premiers d'un clan qui ont marqué le plus de points de contribution qui apparaîtront dans la forteresse. Non, un petit peu plus du coup, vu qu'il y en a un peu plus. Voyons voir. Ben voilà, ça marque jusqu'au 8, Defending. Ensuite, ici, si vous voulez, ben vous pouvez voir les personnages, un petit peu comment ils sont, quel set ils ont et tout. Voilà, voilà. BG, beau personnage. Ensuite, ici, Next Special Shinobi. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est comme pour le SAM. Le SAM, il y a à chaque fois des Shinobis qui font plus de dégâts. Et ben eux, ça va être la même chose. Ils vont avoir un power boosté, ils vont faire beaucoup plus de dégâts. Je crois aussi que ça change à chaque fois, chaque jour d'attaque ça change. Mais du coup je vous ai dit que pour être dans la forteresse il faut avoir beaucoup de points de contribution. Mais du coup comment les mettre ces points de contribution en fait? En faisant n'importe quel level classique, n'importe quelle mission classique, que ce soit en PVP ou une mission normale, vraiment les trucs de base, comme les missions ici, vous allez à chaque fois, à la fin du level, avoir Pacoon qui va avancer en fait d'une case. Putain, là, vraiment, ça me fait... Je pense que je vous mettrai des screens pour que vous puissiez bien voir, parce que sinon, c'est peut-être un peu compliqué pour certains à comprendre ça. Mais en gros, vous allez avoir Pacoon qui va avancer d'une case. Et vous allez avoir un genre de terrain avec des cases où tu avances un par un. Et il y a des coffres. Et dans les coffres, c'est là que tu vas avoir les livres verts, comme ça. Et ces livres verts, du coup, tu pourras aller, quand ce sera le mode défense, dans la forteresse, ici dans Installation Enchantment, là, mon anglais est incroyable. Et tu pourras up 4 catégories différentes. Donc il y a
les summons, là, comme ça, donc tes personnages et les invocations, les statues, tu pourras les up, les dégâts des trappes, et tu pourras aussi augmenter les dégâts de large animal. Donc s'il y a un QB, un démon à queue ou quoi dans la forteresse, il sera boosté. Nous, on n'a pas de démon à queue, donc tous ceux qui augmentent le large animal, ça ne sert à rien pour le moment. Voilà, bête, j'avais pas vu, juste ici, vous avez les up. Vous voyez que nous, nos summoning, ils sont améliorés 42 sur 50, large animal 23 sur 50. Voilà, donc en gros, là, vous avez tout ce qu'on a up. Mais en jour de défense, ici, vous pourrez cliquer. Vous cliquerez, ce sera ici que vous pourrez dépenser vos livres verts dans les trucs pour les améliorer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je pense que j'ai bien expliqué le bail. Pour que ce soit un petit peu plus clair, peut-être je vous mettrai les screens du jour de défense, comme ça vous comprendrez bien avec Pakun et tout. Mais du coup, n'oubliez pas, pour gagner des points de contribution, vous avez juste à faire n'importe quel niveau, que ce soit PVP ou un niveau normal, PVE. Et franchement, je trouve que ça vaut le coup de faire le PVE, en fait, les tout premiers niveaux. Pourquoi ? Parce que regarde, déjà... Attends, j'essaie de vous en trouver un. Parce que déjà, à force de finir des niveaux, regarde, voilà, là, celui-là, si je le termine encore une fois, j'aurai un ticket pour invoquer. Et je crois que je les ai déjà toutes prises, mais il y en a beaucoup, peut-être tous, en fait. Tu peux aussi avoir 3 Shinobits et 5 Shinobits. Donc, en plus, ça va aller hyper vite. Tu vas pouvoir vite terminer le niveau, avoir une petite récompense, genre 3 Shinobits et tout. Ça dépend des fois, tu vois. Au fur et à mesure que tu vas le terminer, tu auras de nouvelles récompenses. Et du coup, de plus que ça va aller hyper vite, du coup, tu vas terminer le niveau et avoir Pakun qui va avancer d'une case pour te donner des points de contribution. Et avec ces points de contribution, tu augmentes ta forteresse. Si tu fais partie des 8 membres de ton clan qui ont le plus contribué à upper la forteresse, tu pourras choisir un personnage qui défendra dedans. Donc après, ensuite, pour le changer, c'est un jour de défense aussi. Voilà, tu vois, tu vas dans Shinobi, comment ça s'appelle, dans Shinobi Selection. Voilà, ici tu feras change et tu mets celui que tu veux. Moi, j'ai mis mon Naruto Rikudo. Voilà les frères, franchement, j'ai essayé de faire vite mais bien correctement. Je pense que vous avez bien compris, je vous ai bien tout expliqué. Du coup, vraiment, l'intérêt de ce mode de jeu, vraiment, je trouve que c'est un mode de jeu bien qu'ils nous ont fait là. Ça met un petit peu en compétition tous les clans et directement, genre, le SAM, ça nous fait pas vraiment nous confronter directement aux autres clans, même si c'est du coup, c'est clan par clan, les points. Là, du coup, vraiment, on s'affronte et à la fin, on a quand même de belles récompenses. Donc là, c'est encore la bêta, donc je sais pas un petit peu ce qu'ils vont changer. J'espère qu'ils vont pas trop changer de truc, que ma vidéo soit toujours utile au moins, que vous compreniez bien. Voilà les frères, j'espère que vous aurez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu de l'amour, les frères. Des petites parenthèses pour la fin, il y en a beaucoup qui veulent rejoindre mon clan. Les gars, vous voyez qu'on est complet. Et pendant le GDG, on ne peut pas rejoindre de clan. Donc ce que je vais faire... Ah ben là, ça a tout été remis à zéro, merde. Et ce que je vais faire en fait à la fin, c'est que je vais virer des inactifs. Et voilà, ceux qui voudront rejoindre, les plus rapides pourront rejoindre. Allez les frères, j'espère que ça vous aura aidé. Kiffez bien la vie les frérots, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Allez, ciao, ciao. Allez, pour la 5 étoiles, tombez du camion. Ça sent pas bon. Enculé. On est que sur de la douille pour le moment, le portail de la douille, mais qui porte tellement son nom, quoi. Même pas une 4 étoiles. Même pas une 4 étoiles. Non mais... Je me fais chier dessus, c'est hallucinant. Mais non. Même pas une 4 étoiles. Voilà, ça m'aurait fait pleurer il y a un mois de ça, mais maintenant ça me fait rire tellement j'ai pas de chance. Non, voilà, je peux pas m'arrêter là-dessus, je peux pas lâcher ça comme ça, c'est pas possible. La last. Allez mon frérot. Pour le seum. Pour le sel. Putain mon gars. Oh. Oh là là. Incroyable. Ah non merde. C'est 4 étoiles. Le jeu il m'encule jusqu'au bout, j'y crois pas. What the fuck, l'animation de fou malade pour avoir de la grosse merde quoi. Je suis choqué. Mais non. Je me suis fait douiller, je me suis fait prank. Le jeu m'a pranké. Mais non. Ça fait quoi? T'en mets du camion, un truc. Le jeu. Le jeu. Putain, j'ai eu un truc de fou. Une animation de fou pour la merde pas possible que j'ai eu. Ah, je me suis fait enculer, comme toujours. La douille est là. La douille est présente.